Porte L. Assurez-vous de ne pas oublier. Bonjour à tous. Bon, on va à New York. Je suis en retard. Je suis en retard. C'est un truc de ouf parce que sur les vols Air France qui vont à New York, tu peux déposer tes bagages jusqu'à 40 minutes avant l'heure de départ. Or que sur les autres vols, c'est pas comme ça. Les autres vols internationaux, c'est en moyenne, c'est 1h30 max. Après, on ne peut plus faire l'enregistrement. Mais genre pour New York, je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce que un statut privilégié ou quoi que ce soit, c'est un vol spécial. Mais vous pouvez enregistrer vos bagages jusqu'à 40 minutes avant l'heure de départ. Cabine. Contrairement aux vols qui va sur Brazzaville, ils ont des nouvelles cabines, hein, c'est des anciennes cabines, donc ça passe. Moi au contraire, j'aime bien celle-là parce qu'elle est large, bien vaste, classique. Hein. J'ai déjà fait des vidéos avec ces cabines-là, on peut le voir. On est parti, il y a à peu près 8 heures de vol.
arrivé. Bon, l'avantage quand tu arrives avec visa, tu dis que tu viens pour le business, on te fait pas chier, tu passes rapidement et tout, c'est rapide. Donc, là on va à l'hôtel, je vais me caler vite fait, puis je vais travailler. Moi quand je viens ici, j'ai déjà ma petite routine. Là donc là je vais prendre le shuttle, il va m'emmener à l'hôtel. Je vais me caler tranquille et j'irai faire un tour à New York demain. Mais, voilà. J'ai déjà ma petite routine, je viens ici, je me cale, je bosse. Et là lundi j'irai voir le fournisseur tranquillement, je fais mes bails. Puis après mardi, on est reparti. J'espère que vous avez apprécié au moins le petit voyage. Ça va, c'était cool hein. Air France, vraiment, ça promet. Bon. Maintenant, il y a une redondance dans les plats. Ça veut dire que je crois que c'est au moins le troisième vol. C'est à chaque fois le même plat. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des menus à force. J'ai tout vu. Genre. Voilà, bon. On se voit à l'hôtel dans une prochaine vidéo. Ciao.